Dans cette vidéo les gars, je vous présente la box MX Lite tous les mois. Vous allez recevoir des cadeaux dans cette boîte d'une valeur de 60€ à 100€ pour un abonnement qui coûte seulement 34,95€. C'est juste histoire d'être dans un bon délire, de se faire kiffer tous les mois, recevoir des petits cadeaux. On n'est pas trop au courant de ce qu'il y a dedans, d'ouvrir sa box, recevoir des produits de moto qui vont nous servir. Donc elle est plutôt cool cette boîte. Ce qui est super important les gars, c'est que c'est sans engagement, donc vous pouvez arrêter votre abonnement à tout moment. Le contenu de la boîte, vous trouvez qu'il est naze, et ben vous pouvez vous faire rembourser. Et ça franchement c'est cool, il y a zéro risque pour vous, enfin c'est tout bénef. Si je la présente maintenant, c'est que pour recevoir votre première box du mois d'avril, vous avez jusqu'au 31 mars pour la commander. C'est très très simple, le lien est dans la description. Vraiment si vous prenez l'offre trimestrielle avant le 31 mars, vous allez avoir une plaque gratuite MX Lite. Bien joué, ciao. Normalement, là, je vais faire ma moto, la refaire entièrement. Bon, j'avais prévu une vidéo grave stylée et tout, mais on n'a pas le time. Donc, soit je la mets dans le salon ici, là, à peu près, ou soit je sors et je la mets, je fais tout ici, kit déco, toutes les pièces et tout. Donc, de quoi? Je passe ma louboulou. Ma louboulou? Non. Ok. Ça passe? Non. Ah, t'es connerie. Par contre, vous pouvez pas casser le miroir, sinon on est mort. Mais... Ça passe là. Ça ouais. Passe. Et au pire, sinon on a des. Regarde, ça tient déjà à Kevin. Vas-y, alors. Vas-y. Ça passe. Ça passe crème. Ça passe. La descente, on fait en mode enduro. Tu sais, tu te mets dessus en équilibre. Vas-y, on va faire ça. Oui, 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 on descend la moto, vas-y, on va faire ça. Vas-y, vas-y, à mort. Bah, j'ai une question. Voilà, je préfère celle de Kipir ou claquer de chaussettes. Oh, gros kiffant! Alcosta, Yonke! Yonke là! Oh la chica, je suis au-dessus, mais on a pas. Ah, par contre, faut que quelqu'un garde la oh, porte. Mais non, t'inquiète, j'ai les clés. Oh là là, ça fait bien, mon pote, le soleil! Alors, un petit tour de moto très rapide. Donc là, l'autocollant Acra, je l'ai poncé. Je sais pas comment c'est avec mes bottes. Moi, je mets les pattes ici. Je suis à la rage en l'air, bref. L'autocollant est mangé. Et la déco qui est directement dans le plastique, elle est un peu usée. Là, ici, le carter, il tient bien. Un petit peu égratigné, là. Un tout petit peu. Mais franchement, ça tient bien. Waouh, par contre. Ça, c'est beau. Lui, il l'a refaite. Tu vois, après, moi, j'aurai une moto refaite comme ça. Lui, elle est 9, par contre. Elle est belle. Pneu Hoosier. Jante 4.50. Ça biche, hein. Oh, le frein à disque, il est trop beau aussi, la Moto Meister. Ouais. Il est trop, trop beau. Tu prends l'ascenseur toi? Ouais. Ok. Vas-y, je te dis. Ça passe pas. Oh la ligne Acra! Ah la ligne Acra! Ça va être mangé! On est arrivé? Ouais. Oh cool! Oh, pas guignol! Mais ça, c'est la déco parfaite, ça. MX Lite, les gars. C'est la taille 50. Parfait. Personnalisable, le nom, le numéro, le logo. 50 cm. Un peu en whip. C'est beau, ça. Attends, gros. Deux secondes, je te ferme. On va déjà descendre ça. C'est quoi, dans ta filtrère et t'as l'araignée? Non. J'ai filtre à air et une cage sans la grille. Parce que comme ça respire un peu mieux. Apparemment. Voilà. Voyabla espagnol. On a tout ce qu'il faut du coup. Donc j'ai mon kit plastique, j'ai deux kits plastiques. Protection de cadre, mousse, kit power flow, poignée. D'ailleurs tiens, faut que je te passe. Ah t'as capté, tu veux. Poignée grise, les deux verres. Ça, je l'ai eu chez 3S Racing avec 3 SFSL C20, petit code promo un peu moins cher. Et puis, du coup, le kit déco 11, ça pareil, FSL C20, moins cher, ça c'est full perso. Je vais démonter la moto entièrement. You know I've been drinking, yeah bitch I've been speeding. New whip every season, my bitch need a visa. She here for the weekend, then she from Ibiza. Suck me while she peeking. Des poignées jusqu'aux roues, tout le kit plastique. Ici faut que j'enlève le cache boîte à air. On a trois air, là elle est vraiment à poil. Même la protection de cadre on a enlevé. Ici faut que je décolle ça encore. Et puis après c'est tout bon. Et hop là.
Alors, au niveau des jantes, on part sur une base 4.50 wheels. Ils font des moyeux, ils font jusqu'au rayon, jusqu'aux têtes de rayon et le cerclage en personnalisé. Donc moi, j'ai pris un peu comme l'origine. Au niveau du frein à disque, on est sur du Motomeister. Il est vraiment ouf. Je l'ai pris sur 3S Racing, celui-là. Et les pneus, on est sur du Hoosier ou Hoosier. Je sais pas trop comment ils disent Hoosier, Hoosier. Moi, je, comme c'est des pneus américains, moi, je vais dire Hoosier. C'est trop stylé, ça. Ça fait vraiment américain. Je trouve que ça rajoute un plus par rapport aux autres pneus. Ça donne de la gueule. Ça fait très très longtemps que ça existe, la marque Hoosier, mais c'est connu que aux US. Ils font des pneus beaucoup. Les gars, ils roulent avec ça en supercross. C'est de la gomme semi-compétition, donc vraiment ça adhère énormément. Ça fait 2 ans, je crois, que ça arrive en France. Faut les contacter directement sur Instagram, sur leur page ou sur Facebook pour commander en direct. Parce qu'ils sont en train de monter un site et tout. Moi, je suis passé directement avec le gars. Le Hoosier sur le côté, c'est vraiment trop stylé. C'est un pochoir, donc je sais pas combien de temps ça reste. Mais j'ai déjà roulé avec l'autre et je le vois de là, c'est nickel. Ça, c'est pas au bout d'un tour, il n'y a plus le Hoosier. Je sais plus ça. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais remonter d'abord les pièces et puis je terminerai par le kit plastique et pour finir la déco, parce que la déco, c'est vraiment ce qui donne de la gueule à la moto, surtout là. Avec le kit déco Red Bull qui est juste là. Franchement, elle biche à mort. Mais c'était pas ma moto, tu vois. Pour la déco, j'ai mis à peu près un mois, je crois, à la dessiner, à penser à des trucs, des nouvelles idées. Je voulais faire un truc un peu original, simple. J'adore quand c'est simple, pas quand ça part 10 000 couleurs, 10 000 logos. Il y en a, et c'est un peu des encarts publicitaires, les motos. C'est une pub, la moto, carrément. Moi, j'aime bien quand c'est assez sobre, assez simple, mais efficace. C'est comme ça qu'on dit. Hein. On my mind, but I found it. I got a new track on me, I ain't talking about balance. They used to tell me that I ain't never had talent, but now they wanna supersize my money and count it. I'm going far, I might just go to Mars. You boys playing part, I'm in charge. Fuck whoever talking on me, we gon' ball. Many racks in my jeans, they just start to fall out. I've been living crazy, chasing rockstar lifestyle. I know that it's hard for you to face it, and sometimes I say, leave me alone, I can't take this in my mind. I can't pick up the phone, I'm mode, got me zoned in. Gotta be real careful with the money that I'm holding. Ever since a kid, always knew that I was golden. Finally found my purpose and my worth, cause I'm chosen. I know I gotta get it, a youngin' had to chase a bag. Shawty tryna send it, but no, she cannot get me back. It's time to take a tennis, you bitches never had some class. I was in a studio, you bitches out here flipping packs. Encore une fois, cette année, on a beaucoup travaillé avec Elevenemix sur la déco. Je dis souvent, mais c'est l'élément qui va donner de la gueule. Dans cette déco, il y a des détails qui rendent hommage à un rappeur que je kiffe. Vous êtes très chaud si vous l'avez reconnu. Et certains abonnés ont pensé que j'avais deux motos aussi. Mais est-ce que ça serait pas plutôt deux versions d'une moto ? Dites-moi juste en commentaire laquelle vous préférez.